Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen problèm? Et puis ke ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak jou a, m santi chaj problèm mwen yo soti sou dom. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib, dégager au marché. Mais en attendant, ou qu'attendre radio télévision d'espoir? Radio vision d'espoir. Oh. Moi t'attendre une annonce comme ça, oui. Mais qui ça se a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Deux Chroniques, chapitre 9. La reine de Séba à Jérusalem. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que Salomon ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on m'en disait. Avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux, et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. » Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi du bois de sandal et des pierres précieuses.
Le roi fit avec le bois de sandal des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblable auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis, elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Richesse de Salomon. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 sicles d'or battu et 300 autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 300 sicles d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et un marche-pied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions étaient près des bras, et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur, rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets, et il en était ainsi chaque année. Salomon avait 4000 crèches pour les chevaux destinés à ses chars et 12000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon. Sa mort. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète, de la prophétie d'Achija, de Silo et dans les révélations de Jéhédo, le prophète sur Jéroboam, fils de Nébat? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David, son père, et Roboam, son fils, régna à sa place. Ézéchiel chapitre 16. Jérusalem sous l'emblème d'une femme prostituée.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta connaissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Héthienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je te toignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté. Car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta bonté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs. Et tu t'y es prostituée. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostituée. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts. Et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'est-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes
tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan, en Ekel et jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paie un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses, voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Voici, tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère
telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leurs maris et leurs enfants. Votre mère était une Héthienne et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leur voie, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elle dans toutes tes voies. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes. Et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles. Et qui les font paraître plus justes que toi? Sois confuse et supporte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu des leurs, afin que tu subisses ton opprobre et que tu rougisses de tout ce que tu as fait, en étant pour elles un sujet de consolation. Tes sœurs Sodome et ses filles reviendront à leur premier état. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ne discourais-tu pas sur ta sœur Sodome dans le temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté soit mise à nu, lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de tous ses alentours, des filles des Philistins qui te méprisaient de tous côtés? Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte. Quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites, je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche et que tu sois confuse quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Amen.
Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.